Alors, je vous invite à prendre place dans le confort de votre chez-vous. Notre soirée sous le signe de l'émotion et de la générosité va commencer dans un instant. Bienvenue chez vous!
Attention, la soirée va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Pour bien commencer la soirée de la Chapelle du Séminaire de Québec, ben voici les artistes de Cirque du Monde du Centre Jacques Cartier et de Jeunes Musiciens du Monde. Place au spectacle. Laissez faire la souciance à deux, à mille. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir, n'est plus haut que nos rêves. On peut partir, n'est plus loin que la grève. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez. Eh bien, wow, c'était absolument magnifique. Un magnifique numéro qui a été présenté donc par les artistes de Jeunes Musiciens du Monde et ceux du volet cirque du Centre Jacques Cartier, qui sont deux organismes, je le rappelle, qui sont parrainés par la Fondation Jeunes en Tête. Et un immense merci parce que je sais que pendant les deux derniers mois, les heures n'ont pas été comptées pour répéter et pratiquer ce numéro et ça paraissait à l'écran. Alors, merci infiniment. C'était de toute beauté. Alors, ben bonsoir, mesdames et messieurs. Officiellement, je me présente, je commence la soirée. Mon nom est Stéphane Bellavance, je serai votre animateur de cette soirée virtuelle ce soir et je suis aussi un des co-porte-parole de la Fondation Jeunes en Tête. Alors, ben généralement, on se retrouve dans la magnifique salle de bal du Château Frontenac. Ben là, vous êtes conviés en partie dans mon salon. Et je sais que vous êtes dans le vôtre aussi. Alors, merci infiniment d'être là. Votre présence compte grandement. Et même si elle est virtuelle, on la sent et on en a grandement besoin. Alors, ben vous avez été nombreux à répondre à l'invitation. On se demandait si ça allait fonctionner et ça fonctionne. Et c'est tout ça dans le but, je vous le rappelle, de prévenir la détresse psychologique chez nos adolescents. Et on est tous conscients, naturellement, que la période de l'adolescence est une période cruciale qui peut avoir son lot de difficultés. Et là, ben avec les circonstances en ce moment, cette pandémie qui continue et qui est là, ben ça rend cette période de l'adolescence encore plus difficile et les besoins sont encore plus grands. Juste quelques chiffres peut-être pour vous situer. Ben pendant cette période, pendant cette crise pandémique, il y a plus de 25% des adolescents qui affirment être plus stressés ou angoissés, pardon. Plus de 20% de jeunes se confient moins souvent et un peu moins de 40% des jeunes disent se sentir encore plus seuls qu'à l'habitude. Alors, ben voilà,
C'est encore plus important que d'habitude, on dirait, même si chaque année, chaque édition du bal du maire est toujours une édition importante. On dirait que cette année, elle a une petite... Je sais pas, on n'est pas là sur place à se voir, puis on peut pas se serrer les mains, puis on peut pas s'encourager en personne, mais notre présence ce soir rend leur vie peut-être un peu plus facile, et sachez que c'est pas rien, ce sont les adultes de demain. Parmi vous, plusieurs ont fait l'achat ou reçu en cadeau un coffret gourmand préparé par la talentueuse brigade culinaire du chef Frédéric Cyr, du Fellmount de Château-Frontenac, que je salue d'ailleurs, je le sais à l'écoute. Alors, l'équipe a été épaulée par les jeunes d'Intégration Jeunesse, un autre organisme parrainé par la Fondation, qui ont participé à la préparation de ce repas. Un immense merci aux jeunes. Alors, ceux qui sont présentement à savourer ce magnifique repas, ben, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et pourquoi pas une photo avec votre masque de la Fondation. Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup, c'est le bal du maire. Vous aurez donc compris que le maire est présent, mais de façon virtuelle lui aussi. Alors, je disais qu'on l'aime beaucoup à Québec, mais je veux juste confirmer qu'on l'aime beaucoup partout dans la province. Et il y a bien des places qu'on aimerait ça d'en avoir un Labeaume, nous autres. Mais enfin, je dis ça de même, c'était vraiment entre nous. Alors, M. Régis Labeaume, maire de Québec, naturellement, qui a envie de vous adresser la parole et de vous dire quelques mots. À vous, M. Régis. Bonsoir tout le monde. Merci très sincèrement d'être présent. Bon, vous savez, 2020, ça va rester marqué dans nos têtes pour toujours. Et ça laissera pas, malheureusement, les meilleurs souvenirs. En mars, nos vies ont changé. On s'est tous retrouvés confinés, sans contact possible avec certains de nos proches, avec nos amis. Et notre morale en a pris un coup. Et notre morale a pris aussi un autre bon coup en novembre pour les raisons dont vous vous souvenez. Et pour les jeunes, c'était un changement radical. Ils ne pouvaient plus aller à l'école, pratiquer leurs activités, sortir avec leurs amis. Et même si notre adolescence à nous est loin derrière nous, on se rappelle tous et toutes qu'à cet âge-là, notre gang d'amis, c'est ce qui compte le plus. Nos parents ont beau avoir la meilleure volonté du monde, c'est sur nos amis qu'on s'appuie dans les bons moments comme dans les moins bons. Les derniers mois ont été très difficiles pour plusieurs jeunes. C'est vrai pour ceux qui vivent de la détresse psychologique au quotidien ou qui ont vu celle-ci prendre de l'ampleur. C'est aussi vrai pour ceux et celles qui ont développé des problèmes d'anxiété et de dépression alors qu'ils se retrouvaient chez eux isolés. Et l'arrivée de la deuxième vague de la pandémie n'a rien fait pour les aider ni pour aider leurs proches qui se sentent souvent impuissants lorsqu'ils voient les jeunes s'enfoncer. Alors, comme parents, grands-parents, on doit absolument être attentif au moindre signal de détresse. Parce que c'est terrible de voir quelqu'un qu'on aime souffrir. On voudrait tout faire pour qu'il aille mieux, mais souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Alors, faut pas se le cacher, la santé mentale est encore tabou. Les gens le savent. Quand on a un problème physique, comme un cancer, on n'hésite pas à le dire, et on ressent de la compassion pour tout le monde qui ont un problème physique. Mais quand on fait de dépression ou de l'anxiété, on n'ose pas en parler. Parce qu'il y a encore tellement de préjugés sur la santé mentale et pourtant on sait qu'elle est aussi importante que la santé physique. Et la société a évolué à ce sujet dans les dernières années, oui, mais il y a encore énormément de travail à faire. Alors la Fondation Jeunes en tête pour laquelle nous sommes réunis ce soir travaille à prévenir la détresse psychologique chez les jeunes depuis 40 ans. Et je suis extrêmement fier de soutenir cet organisme par l'entremise du bal du maire depuis les 10 dernières années. Et avec les bénéfices nets, nous finançons des projets d'organismes d'entraide, l'entraide jeunesse de Québec et de l'Est du Québec aussi, ainsi que le programme solidaire pour la santé mentale offert gratuitement dans les écoles secondaires de Québec. Et cette soirée philanthropique a permis d'amasser jusqu'ici plus de 3 millions de dollars. C'est-à-dire que 20 000 adolescents et adolescentes ont ainsi été aidés. Des jeunes de Rimouski à Métabetchouane en passant par la Beauce et Québec, l'impact de la Fondation est immense. Mais vous savez que les besoins sont encore tellement grands. Les problèmes de santé mentale sont vastes et peuvent mener à l'irréparable, à la fracture. Et ça pourrait arriver à un de nos enfants, un de nos amis, un de nos neveux, votre neveu. Alors, il faut jamais l'oublier. Cette soirée sera évidemment différente. Hein? Distanciation et mesures sanitaires obligent, parce qu'il n'était pas possible de vous réunir.
mais je vous remercie d'avoir compris son importance et d'y participer malgré les circonstances. Chaque année, je suis vraiment touché par la générosité et la solidarité de la communauté d'affaires de Québec. Je sais que l'année a été aussi difficile pour plusieurs d'entre vous, alors votre présence est d'autant plus significative et appréciée. Merci aux entreprises et aux donateurs, et je remercie également Serge Lebel et les membres du Cercle des gouverneurs pour leur appui inestimable, ainsi que le président du conseil d'administration, mon ami Éric Bujold, et toute l'équipe de la Fondation Jeunes en tête pour leur dévouement à cette cause et pour l'organisation de cet événement. On répète souvent que nos jeunes sont notre avenir, mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'occuper d'eux pour en faire des adultes forts, confiants, et qu'ils aient la tête remplie de beaux projets. Et tout est possible pour eux et elles, c'est à nous de les aider à accomplir leurs rêves. Alors, merci et une excellente soirée. Alors, un immense merci, Monsieur Labombe. Encore une fois, on voit toute l'implication et toute l'importance que vous donnez à cet événement. Grand merci. Ça fait plus de 10 ans maintenant que vous endossez ce bal du maire. Et c'est fou. C'est fou tout ce qui a été fait depuis que vous êtes là, tous les dollars qui ont été amassés et tous les besoins qui ont été comblés grâce à cette soirée qui se poursuit maintenant avec quelqu'un qui veut aussi vous adresser la parole. Mais l'année passée, je pense que la grande majorité des gens n'avaient aucune idée de qui il était. Mais maintenant, c'est un personnage ô combien connu qu'on aime entendre, qui est bon pour nous rassurer. Alors, mesdames et messieurs, nul autre que Horacio Arruda avec quelques mots pour vous. On l'écoute. Bonjour, je suis très heureux de me joindre virtuellement à cet événement pour une cause qui me tient à cœur. Vous savez, à cause de la COVID-19, on doit continuer nos efforts pour lutter contre le virus et éviter les rassemblements. Mais grâce à la créativité de certaines personnes, il y a moyen d'avoir un événement qui est très agréable et amusant. Je pense qu'il faut remercier les organisateurs et ceux qui ont accepté de participer à une version nouvelle du bal du maire de la Fondation de Jeunes en tête. Il importe de remercier aussi M. Labombe qui a accepté de parrainer cet événement. C'était merveilleux que des gens d'affaires, des gens du public s'unissent pour la santé mentale des ados. Vous savez, la pandémie a transformé la vie de plusieurs personnes et a beaucoup d'effets sur toute la population. Par contre, les jeunes sont aussi très affectés. Malgré qu'ils ont une très grande résilience, certains de ces jeunes ont vu leur quotidien transformé et doivent nécessiter une attention particulière. Dans ce contexte particulier, il est important d'appuyer nos jeunes qui ont certaines difficultés à s'adapter à cette nouvelle réalité. Par exemple, l'initiative d'ateliers virtuels « La base de la santé mentale » offert dans les écoles secondaires par la Fondation Jeunes en tête est un exemple d'outil qui peut appuyer tout le monde à aider nos jeunes. Tous les partenaires Entraide et leurs parents sont là au quotidien pour aider nos jeunes à supporter l'effet de la pandémie. Avant de vous quitter, on m'a dit qu'il y avait un certain intérêt pour mes tartelettes portugaises. Afin de vous remercier d'avoir participé à cet événement important, afin de vous remercier à votre implication pour la défense de la santé mentale des jeunes, ma recette sera donc publiée sur le site web de la Fondation Jeunes en tête et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Eh bien, un immense merci, M. Arruda, pour ce mot, pour cette implication et merci d'ajouter votre personne à l'équipe de la Fondation Jeunes en tête pour qu'on puisse aplatir la courbe des difficultés que les adolescents vivent. Alors, ben voilà, j'ai repris votre geste. Aplatir cette courbe des difficultés. Et petite note personnelle en passant, j'ai essayé vos tartelettes, elles sont absolument fantastiques. La tartelette portugaise fait maintenant partie de mon menu. Alors, une autre personne qui veut vous parler maintenant, c'est un grand plaisir de vous le présenter, une implication incroyable auprès de la Fondation Jeunes en tête, dont il est le président du conseil d'administration. Et il est aussi le président Banque nationale gestion privée 1859. Alors, s'il s'agit d'Éric Bujold, quelqu'un qui ne serait pas obligé de faire ce qu'il fait pour la Fondation, mais il le fait avec cœur et avec dévouement. Et voilà, il y a quelques mots à vous adresser, on l'écoute.
Chers amis du bal du maire de Québec, bonsoir. Je vous remercie sincèrement d'être présents et d'avoir accepté de célébrer autrement ce rendez-vous philanthropique. En tant que président du conseil d'administration, non. Plutôt en tant que père d'une adolescente Gabrielle qui vit à Québec et de Henri, qui est plus un bébé, je suis vraiment touché par la forte mobilisation des gens de la communauté d'affaires d'ici et d'ailleurs. Par votre présence virtuelle et votre soutien, vous témoignez une fois de plus encore votre engagement et votre affection pour nos adolescents, pour notre avenir. Vous permettez ce soir à tous ces jeunes en quête d'un avenir prometteur et qui souffrent en silence, vous leur permettez d'être accompagnés et soutenus par des partenaires d'entraide jeunesse dans Québec et l'Est du Québec, dont les actions sur le terrain sont complémentaires à celles de la Fondation. En ce moment, nous le savons, nos jeunes sont encore plus à risque de vivre de la détresse psychologique. Il est essentiel pour la Fondation de garder un lien avec eux et d'offrir gratuitement dans toutes les écoles secondaires du Québec un atelier virtuel maintenant pour se rapprocher d'eux, et ce, même à distance. De façon innovatrice, avec un contenu adapté et validé par un comité d'experts, nos animateurs, depuis le mois d'octobre, rencontrent virtuellement les jeunes dans leur classe, les outils face à l'anxiété, les aident à se développer, développer leur aptitude introspective et sociale. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je sensibilise mon entourage sur nos adolescents, mais également sur leurs enjeux de santé mentale. Plusieurs ont plein d'initiatives de participer pour soutenir la cause. Moi, je me suis fait confectionner un veston avec le dessin d'une jeune fille qui avait eu des problèmes et qui a voulu illustrer sa façon qu'elle avait pu sortir et comment la Fondation avait pu l'aider. Alors, merci beaucoup. Vous faites la différence. Et je le dirai jamais suffisamment. Merci au maire Labeaume et son leadership, le comité des gouverneurs extraordinaire que nous avons à Québec. Merci pour tous nos bénévoles, les gens qui travaillent autour, qui gravitent pour faire du bal du maire et de nos événements toujours un succès. Vous êtes formidables. Au nom des jeunes et en mon nom personnel, merci. Alors, un immense merci à Éric Bugeaud, encore une fois, président du conseil d'administration de la Fondation Jeunes en tête. Vraiment une implication incroyable et un dévouement comme il s'en fait peu. Je me répète, mais ça vaut la peine. Un homme grâce à qui beaucoup de gens embrassent la cause maintenant et que la Fondation, grâce à toi, entre autres, peut continuer de vivre et survivre et de donner le coup de main si grand qu'elle a besoin de donner. Alors, de nouveaux visages aussi qui font partie maintenant de l'équipe de la Fondation Jeunes en tête. Il y a moi qui est là comme porte-parole, pardon, mais il y a aussi Mia et son papa Jean-Nicolas, les nouveaux co-porte-parole cette année de la Fondation Jeunes en tête. Mia a eu un parcours assez difficile et elle a été heureusement soutenue par son papa Jean-Nicolas, que vous connaissez bien. Et ils ont quelques mots pour vous aussi et vous en saurez un peu plus sur son parcours. On les écoute. Très, très, très jeune âge, Mia me donnait des signes d'anxiété, puis c'était assez profond, et je me voyais aussi, parce que moi, je suis un anxieux. J'ai souvent très mal au ventre quand je suis anxieuse, c'est très difficile. Je suis allée à l'hôpital pour ça, tu sais, j'ai eu mon trouble anxieux énorme, puis là, ça m'empêchait de manger. Mais moi, le pire pour moi, là, c'est vraiment quand je te dirais, faut que j'aille à quelque part. Je sais pas exactement ce que c'est ou où c'est. À chaque fois qu'il y a des changements, je sais que c'est des changements pour ma fille et c'est des peurs que je vis aussi. Des fois, tu sais, je vois ma mère, mon amie, ils sont très, tu sais, très posés, calmes, pas anxieuses, puis je me dis, tu sais, c'est beaucoup. J'aimerais ça être comme eux, tu sais. Mm.
dans ma tête à moi, là, ce qui me vient en premier, là, c'est d'avoir réussi de sortir de l'hôpital, puis d'avoir réussi à surmonter ça, puis à dire, on se calme, on mange. Pour moi, ça a été ça. Mia aujourd'hui n'est pas la même petite Mia du primaire, on s'entend. Fait qu'elle en a des outils, elle en a du courage aussi. Quand il y a une grosse situation de stress, je me dis, bon, tu vas bien aller. Je respire, tu sais. Ça va bien aller. Ça nous empêche de faire des choses. Mais il faut le faire. Il faut s'essayer, tu sais. Puis je sais qu'est-ce que je dis. Je sais que c'est compliqué quand même d'essayer. Mais tu sais, il faut comme, au fond de nous, comme faire, OK, un petit pas en avant, un petit pas en avant. Puis un jour, tu sais, on va y arriver, là. Je la trouve courageuse, Mia. L'amour, les câlins, la famille. C'est. Ouais. On peut pas tous réagir de la même façon. Ça serait le fun que ça soit enseigné. Alors, ce que veut faire la Fondation pour moi, c'est de toute beauté, puis c'est essentiel. Tout le monde a un truc caché, tu sais. Surtout les gens de notre âge, avec le fait d'aller parler dans les écoles, ça peut aider beaucoup, beaucoup. C'est important de conscientiser les autres, peut-être qu'ils ne sont pas anxieux, du dommage qui peut être fait dans certaines situations. Si j'avais pu le dire là, aux gens à l'école que j'étais sensible, peut-être qu'ils auraient fait plus attention dans un certain sens. Peut-être qu'ils auraient su que j'étais différente. Quand je me fais dire « Oh, je te comprends, c'est difficile », puis tu sais, c'est le fun à savoir. Parce que je me suis pas fait comprendre pendant longtemps. Ben voilà un cri du cœur absolument touchant et renversant. Grand merci à Mia et à son papa Jean-Nicolas, que je salue d'ailleurs et à qui je dis encore une fois bienvenue dans la belle et grande famille de la Fondation Jeune en tête. Alors, vous venez d'entendre cet exemple, cette histoire de Mia, mais vous devez savoir que des histoires comme celle-là, ben, il y en a des centaines, voire des milliers au Québec. Beaucoup, 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 beaucoup de jeunes adolescents sont en détresse psychologique ou en moment difficile. Et on dirait que dans cette période de pandémie, ben c'est amplifié tout ça. Et on dirait que les solutions sont moins visibles. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir, parce que c'est important plus que jamais de rester présent et engagé auprès des jeunes pour les aider à prendre soin de leur santé mentale. Parce que les efforts de sensibilisation et de prévention, ben, pour prévenir la détresse psychologique, doivent absolument se poursuivre. Et c'est grâce à des gens de cœur comme vous, vous qui êtes là ce soir de façon virtuelle, mais ô combien présentielle dans notre cœur, qu'on peut y arriver. Et si jamais vous avez envie de soutenir l'action de la Fondation et de ses organismes de Québec et de l'Est du Québec, eh bien, je vous invite à faire un don en ligne sur le site de la Fondation. Et votre don va permettre d'entrevoir un présent plus agréable et qui sait ce que ça peut faire pour le futur, parce que tous les organismes qui reçoivent ces dons-là sont des magiciens et ils font avec les dollars qu'ils reçoivent, ils font absolument des miracles pour les jeunes qu'on soutient. Et je vous annonce que pour chaque tranche de 25 $, vous avez une chance de gagner une carte cadeau chez Simons d'une valeur de 300 $. Alors, je sais que vous êtes des gens qui calculent vite, là. Si maintenant que vous faites un don de 250 $, ben ça vous donne 10 chances. Je pourrais donner d'autres exemples. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, ben, vous pouvez participer jusqu'à lundi 7 décembre à 23h. Bonne chance et merci infiniment. Au-delà du prix chez Simons, qui est très agréable. Merci d'ailleurs. Sachez que cet argent-là va faire du chemin et un bon chemin pour aider les jeunes de la région de Québec et de l'Est du Québec. Alors, malgré cette année, malgré la situation et malgré ce gala hors norme, on a quand même réussi à amasser un montant d'argent absolument incroyable. Merci infiniment. Pensez pas aller si loin que ça. Alors, un grand merci pour votre soutien qui est plus nécessaire que jamais. Alors, on a quelques amis de la Fondation qui aimeraient vous remercier, ainsi que M. Labombe. On les écoute.
au nom des animateurs et des animatrices de la Fondation Jeunes en tête, qui rencontre chaque jour, virtuellement maintenant, des centaines de jeunes pour les aider à avoir une bonne santé mentale, nous vous disons merci. Vraiment un énorme merci. Waouh, c'est extraordinaire. Et je remercie chaleureusement tous ceux et celles qui ont donné à la Fondation Jeunes en tête. Cet argent va faire une réelle différence dans la vie de milliers de jeunes de chez nous. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore contribué, il est toujours le temps de le faire en vous rendant sur le site web de la Fondation Jeunes en tête. Encore une fois, un immense merci. Salut. Merci du fond du cœur d'être là pour nous. En ces moments d'incertitude, merci pour votre soutien. Merci beaucoup de nous appuyer. Grâce à vous, on peut chanter, on peut danser, on peut s'éclater. Merci de nous offrir un présent aussi lumineux. Je suis touchée par votre générosité. Merci d'appuyer le bal du maire de la Fondation Jeunes en tête. Vous faites une réelle différence. Merci! Roulement de tambour, les amis, cette année, pour cette édition unique virtuelle, je suis vraiment très fier de vous annoncer que le bal du maire de Québec a amassé le montant exceptionnel de... Tadam! Bravo et merci tout le monde. Merci infiniment et je tiens absolument à souligner le travail, entre autres, des animateurs de la Fondation Jeunes en tête qui habituellement se promène d'une école à l'autre et qui parcourt le Québec pour rencontrer en personne les élèves. Mais bon, avec la situation, c'est pas possible. Ils ont dû se réinventer. Et si vous visitez le site de la Fondation, vous allez sur la page Instagram de la Fondation, vous verrez leur travail. Ils sont de dynamisme incroyable et ils ont su relever le défi avec brio. Je vais profiter de ce moment-là pour vous remercier. Et un immense merci aussi à nos précieux partenaires et généreux donateurs. Alors, j'aimerais profiter de ce mot de la fin pour remercier plus particulièrement la Banque nationale, Sun Life, ainsi que GBV Avocat de leur soutien corporatif pour le succès de ce rendez-vous philanthropique. Et sachez d'ailleurs qu'il est toujours possible de venir donner un coup de main à la Fondation, de faire un don. Donc, vous n'avez qu'à visiter le site Internet de la Fondation Jeunes en tête. Alors, ben là, la soirée n'est pas finie, pas tout à fait, c'est le cas de le dire. Je vous laisse avec nos artistes du Centre Jacques-Cartier et de Jeunes musiciens du monde pour une dernière performance, tout aussi époustouflante que celle de l'ouverture de la soirée. On les regarde. Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour. Je t'ai vu partir vers le ciel car tu as dans la tête bien mieux que des ailes. Je dis voilà, ça a été un immense privilège d'animer cette soirée virtuelle. Une première dans ma vie, c'est la première fois que j'anime un gala, une soirée de chez moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que ça a valu la peine pour les jeunes de la région. Alors, on va se dire à l'an prochain pour le 10e bal du maire, en espérant qu'on puisse être en personne, qu'on puisse se revoir. Sinon, fort du succès de cette année, de cette édition aussi, on se reverra de façon virtuelle. Alors voilà, merci infiniment d'avoir été là. Je vous souhaite, vous savez quoi? Une excellente santé mentale. On se le dit peut-être pas assez souvent. Salut!